différence faite au niveau des hommes et la santé par rapport aux différentes stratégies menées pour conduire une campagne de vaccination nous montre que si vous voulez avoir du succès dans la réalisation d'une campagne de vaccination, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut prendre en compte. Et la première activité, c'est d'arriver à l'identification des ressources, que ce soit ressources matérielles, ressources financières. Donc, il doit y avoir un effort de plaidoirie et un effort de communication avec les différents partenaires, partenaires financiers et partenaires qui fournissent le garde d'asile, partenaires qui fournissent les seringues, les objets tranchants. Donc, vraiment, on doit démarrer avec le processus pratiquement 3 mois, 4 mois, 5 mois avant et la conduite des campagnes de vaccination. Donc maintenant, par rapport à l'identification des ressources, il y a 3 éléments importants. C'est arriver de faire une évaluation. Évaluation que ce soit par rapport aux différentes localités où vous allez conduire la campagne de vaccination. Par exemple, nous avons conduit une campagne de vaccination au niveau de Verrettes et Petite Rivière de la Thibonite. Avant même de mener cette campagne, on avait fait une évaluation. Quelle est la population de ces deux communes-là? Quelles sont les écoles à cibler? Quelle est la quantité de petites filles à pouvoir fournir la première dose? Donc, c'est quel est le budget qu'il nous faut pour conduire cette campagne de vaccination? Vraiment, c'est vraiment un effort d'évaluation. Donc, il faut faire une évaluation. Voilà. La deuxième chose, c'est arriver à sécuriser les fonds nécessaires, comme je disais, pour conduire cette campagne. Et la troisième chose, c'est de sécuriser la quantité de vaccins qu'il faut pour mener cette campagne. Maintenant, une fois que les ressources sont identifiées, maintenant on passe à la phase de préparation. Donc, je dois vous dire que normalement, au niveau des amis et la santé, on a démarré avec la préparation en termes d'élaboration du plan opérationnel, en termes de rencontre avec les différents acteurs, tant au niveau de Port-au-Prince qu'au niveau des localités, en termes d'activités relatives aux différentes campagnes de sensibilisation, que ce soit à travers les radios, que ce soit à travers les activités de soundtrack, que ce soit à travers des émissions et de radio où l'on informe la population par rapport aux campagnes de vaccination. Donc, on a pratiquement démarré ces activités, disons, 3 mois, 4 mois à l'avance. Donc, ce n'est pas une activité qu'on fait de manière spontanée, mais c'est un effort de planification. C'est deuxième conférence annuelle sous cancer du col. Nous gagnons un but qui pour éliminer complètement cancer col dans le pays d'Haïti. Donc, conférence est organisée plus particulièrement avec le ministère de la Santé, avec partenaires bilatérales et multilatérales, avec développement partenaires et société civile, pour nous chiter ensemble, pour nous réfléchir sur comment, quelle stratégie que nous mettre en place pour nous non seulement identifier toute femme qui a souffert avec maladie ça, mais tout ce qu'on a fait pour nous éliminer. Parce que nous connaissons gens pour nous vraiment contenu cancer du col, c'est pour madame, mesdames, vous avez accès à la prévention, côté que vous êtes capable d'aller dans le centre de santé pour faire screening, pour vous être capable de joindre traitement. Mais tout, nous avons besoin de vacciner jeunes filles pour nous faire prévention, pour plus tard, pour ne pas gagner cancer du col. De qui dépistait déjà et qui gagnait cancer du col.
Bon, c'est un peu difficile pour moi de tête comme ça, mais travail que j'ai fait plus particulièrement dans le plateau central avec Zami la Santé, je ne sais pas dire dans la présentation, c'est que dans tout le bas plateau, nous faisons un peu l'activité de sensibilisation et nous faisons un peu l'activité tout de prévention. Côté que nous vaccinons pendant les trois dernières années, nous vaccinons autour de 16 000 petites filles. Que nous joignons dans l'école et dans la communauté, en partenariat avec le ministère de la Santé, avec l'autre partenaire de financement qui bat nos financements pour nous faire travailler ça, mais aussi en partenariat avec la communauté, parce que sans implication communauté, on ne peut pas faire grand-chose. Plus de 200 000 membres, les présents dans 114 pays. Donc, nous, au niveau dans 5 continents, donc, Jeune Chambre internationale, dans 6 000 communautés. Donc, vraiment, nous croyons que nous avons changé le monde, même Jean à Henri Jessenbert et Kouel. Donc, mission Jeune Chambre, c'est offrir aux jeunes des opportunités afin de créer des changements positifs dans leur communauté. Et vision Jeune Chambre, c'est quoi que nous sommes capables de vivre un plus gros réseau de jeunes dans le monde. Donc, la JCI Haïti prend naissance en 2006 et 26 juin 2006. Donc, j'aime dire le 26 juin 2018, fait nous 12 ans. Et JCI dans 13 et communes, ok, et nous dans les 10 départements. Donc, nous croyons que nous sommes capables de changer Haïti parce que nous-mêmes, jeunes, nous sommes force, nous sommes espoir et nous sommes futurs. Et les futurs leaders et du pays. Donc, c'est aujourd'hui que pour nous mettre les mains ensemble pour nous changer. Et c'est ça que j'essaie de faire. Côté qu'avec les moyens que nous gagnons, nous faisons des projets dans la communauté pour nous regarder qui problème la communauté a gagné et nous-mêmes nous porter des changements. C'est un concours qui fait tout partout, côté que JCI existait. Et nous souhaitons qu'avec le président national, là, que nous existions dans plus de 114 pays. Donc, tout côté ça a gagné un concours ça a fait. Et nous-mêmes en Haïti, nous sommes sous 7e édition. Là. Et toi, consistait à aller à la recherche de monde, de jeunes qui âgés entre 18 et 40 ans. Qu'a fait de grandes réalisations dans le domaine que nous-mêmes nous découvrions, notamment questions entrepreneuriat, questions politiques, questions culturelles, questions académiques, questions technologiques, questions qui liées à des réalisations personnelles et encore questions qui rentrent dans le cadre bénévolat ou encore volontariat. Donc, toi, tu couvris pratiquement 10 domaines et c'est là-dedans que nous prenons gagner en 10 monde qui prennent élu. 10 lauréats et lauréat des lauréats va gagner opportunité pour te dire d'aller représenter JCI Haïti ou bien représenter tout pays à même dans un gros concours mondial qu'a fait Anissa l'a fait du 30 au 3 novembre en Inde, à Goa. Mais mon qui est du TOIP, des TOIP pour Anéa, c'est l'année prochaine, la gagner, la capable de participer dans le concours TOIP mondial. Donc, on a rappelé qu'en 2014, nous avons gagné un jeune haïtien qui répond au nom de Leonid Garius, qui était lauréat des lauréats pour TOIP ici en Haïti. Et en 2015, c'était un jeune qui t'a représenté nous et qui fait partie des 10 jeunes qui étaient beaucoup plus remarquables dans le monde. Donc, Haïti était sélectionné, Haïti était classé. Parmi 10 jeunes qui ont dit qu'ils sont remarquables. Et bon, moi, l'expérience et talk que j'ai fait en dernier là, c'est vraiment intéressant. Et comme je dis, c'est one year to lead. Ça veut dire que chaque année, une équipe différente qui est en tête EGCI et programme de là. Mais c'est toujours même engouement, c'est toujours même énergie pour être capable vraiment créer une plateforme pour être capable
mettre les jeunes qui ont fait une différence dans le pays en valeur. Et c'est un bagage qui a touché personnellement très à cœur, parce que notre mission, nous, comme entreprise, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est créer justement un espace pour que les jeunes qui deviennent, jeunes qui sont intelligents, jeunes qui sont entrepreneurs, soient capables d'avoir accès à des ressources. Et donc là, j'ai contacté Banche pour devenir comme un partenaire de l'activité. Pour moi, c'était une sorte de mariage naturel, parce qu'il est entré dans la même, même vision que nous avons comme entreprise. Et l'année dernière, j'ai monté en juillet tout dans toi, et c'était une belle opportunité pour nous voir que pas seulement les gens qui gagnent ou qui sélectionnent comme toi, mais c'est tout le monde qui a appliqué et tout. Ça va en bouffer d'espoir et ça va en une opportunité pour garder pour qui ça jeune à faire à travers tout le pays. Et moi, j'ai souhaité que, encore une fois, année ça, tout le monde a regardé nous, tout le monde qui est présent dans la salle-là. Pas seulement penser en tant que vous-même qui est-ce qu'il va l'appliquer dans ce truc-là, mais surtout encourager les gens que nous connaissons qui a font différence pour participer. Parfois, nous sommes très humbles, parfois, nous ne voulons pas dire ça n'a fait, parfois, nous pouvons nous dire que c'est jolie, lié si nous avons essayé. Je n'ai reconnaissance dans l'événement pour toi. Je pense que encourager l'autre monde qui est beaucoup de nous, que nous-mêmes nous impressionnons pour ça à faire et que nous pensons que ça a fait positif pour venir participer dans le programme toi. Et un autre élément qui est extrêmement important dans le programme toi qui que moi développer peut-être par support pour nous être capable de réaliser, c'est la possibilité pour nous aller au-delà de Haïti, à représenter Haïti à l'étranger. Et bon, c'est très souvent nous minimiser le monde qui vit là-dedans, nous juste entendons que c'est seulement Haïti qui a une activité qui a fait, c'est seulement Haïti qui a une possibilité pour nous briller. Je veux dire, nous sommes mondialisés, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, possibilité d'interaction immense. Il y a une pile d'opportunités qui sont possibles si nous seulement disons que nous cherchons moyen pour nous connecter avec l'opportunité de savoir l'étranger. Bon, c'est plutôt créer opportunité ça. La jeune chambre internationale, c'est un petit projet pitié. Au contraire, c'est un honneur pour moi que moi, je suis capable d'associer et former avec eux. Pas seulement dans le programme de l'État, mais GCI en général, c'est un gros pour qu'une chaîne d'organisation jeune liée à travers le monde. C'est de présenter notre ouvrage dans le cadre d'une vente de signatures. C'est une vente de signatures que nous avons fait autour de l'ouvrage ça, que nous voulons mieux comprendre les budgets de la République d'Haïti, exercice 2007-2018. Livre ça lui-même, nous jugeait que le bon grand intérêt, par rapport avec sa budget à représenter, par rapport avec problématique qui était passée dans la société, hein, par rapport avec agitation qui était gagnée, par rapport avec scandale, par rapport avec lutte, etc., qui était gagnée autour de sujet ça, et par rapport avec un ensemble de confusions qui étaient confirmées autour de sujet ça, nous avons jugé que c'était bon pour nous porter des éléments d'explication. Éléments d'explication, ça, c'est pour éclairer l'antenne ensemble parties prenantes ou bien ensemble de monde qui est dans la société, hein, qui permettent que nous avons une meilleure lecture de situation. C'est peut-être ça, nous porter un ensemble de réponses, nous porter un ensemble d'éclairages autour d'un ensemble de questions qui étaient posées. Telles que, est-ce que vraiment budget à son budget criminel ou bien budget passé, nous avons toujours un budget criminel? Est-ce que des bons budgets sont budget de développement que le TIE ou bien est-ce que nous n'avons pas de jambes budget de développement? Est-ce que budget que nous avons son budget qui était toujours ou bien un budget super centralisé que le TIE? Est-ce que budget que nous avons lui-même est capable de développement? Est-ce que budget toi que nous gagnons là, est-ce que son budget qui ne répond à aucune attente ou bien c'est un budget injuste que lié, etc. Ensemble de questions sérieuses, nous passons en revue, telles que par exemple question caravane, est-ce qu'il fait partie du budget, etc. Nous portons des réponses. Et ces réponses portent des lumières qui permettent que nous arrivions
à des conclusions sur ensemble de questionnements ça que tu as fait. Pour cela, nous offrir ça que les produits ça à toute communauté hein, parce que communauté a été montré non seulement intéressé ou montré non seulement concerné. Moi crois que ensemble de questions ça a soulevé hein, et par rapport à réponse que nous porter à ensemble de questions ça yo, l'is pousser intérêt tout le monde parce que tout le monde a parlé de budget. Quel que soit moun nan, dans quel que soit strat que l'té dans société a, de moun nan rue a moun qui pi éclairé a, de moun qui gen kob avec moun qui pa gen kob, que moun qui nan classe sociale qui pi élevé yo etc. Yo tout a parlé de sujet ça. Tout un quartier d'Annapolis bouclé par les forces de l'ordre. Quelques heures plus tôt, un homme a ouvert le feu dans la rédaction d'un journal local de cette ville du Maryland, non loin de Washington. Un journaliste du Capital Gazette, dont les bureaux se trouvent dans cet immeuble, a été le premier à témoigner de l'attaque sur les réseaux sociaux. Un tireur a tiré à travers la porte en verre du bureau et ouvert le feu sur plusieurs employés. L'assaillant a eu le temps de faire plusieurs victimes. Mais les forces de l'ordre seraient intervenues très rapidement. En 60 secondes, nous sommes intervenus. Et je veux rendre hommage aux officiers locaux qui ont si bien réagi et peut-être sauvé les vies d'autres personnes en entrant à l'intérieur pendant que les choses se déroulaient. Pour appréhender le suspect, actuellement en garde à vue. Un suspect qui aurait apparemment agi seul et qui est actuellement interrogé pour y voir plus clair sur ses motivations.